Salut à tous et à toutes, équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20. Et oui, nous sommes sur FUT, notre première vidéo sur FUT. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir nos premières récompenses sur Division Rivals. Et oui, je joue à Division Rivals. D'ailleurs, cette année, je prends plus de plaisir que l'année dernière déjà. Et en plus, la particularité, c'est que cette année, bah voilà, je pense pouvoir faire avec notamment les objectifs en mode Fortnite, là, avec, vous voyez, le truc de système de palier en mode de saison, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, et donc je pense pouvoir en faire beaucoup, donc pourquoi pas ouvrir plusieurs récompenses chaque semaine. Le problème, c'est que pour vous faire une vidéo, je suis obligé de les ouvrir à la fin de la semaine, donc là, comme c'est le cas. Et aussi, bon, après le problème, c'est que moi, comme je suis pas un grand compétiteur, je me retrouve pas sur Feu de Champion maintenant. Hein. Les autres youtubeurs, ils peuvent le faire. Moi, je ne me permets pas de le faire. Surtout que j'ai pas le temps de jouer activement, à cause de mes études notamment. Donc là, vous voyez, nous avons soit l'option des crédits, donc ça, c'est la classique. Puis d'un côté, on a deux packs, donc deux packs ici. Alors un pack joueur électrum rare et un pack à 15 000, là t'es un peu dégueulasse. Ou alors les invendables. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que comme là au début du jeu et comme j'ai besoin de joueurs, je vais prendre les invendables. Parce que franchement j'ai besoin d'invendables à côté de ces récompenses. Donc ça fait 4 packs supplémentaires, donc ça fait 4 packs comme cela. À ajouter donc à d'autres packs, donc à 4 autres packs. Donc ça va être plus ou moins intéressant, ça fait un petit pack opening intéressant. Mais je ferai sans doute d'autres packs, peut-être d'auto-pack à deux joueurs. On verra si jamais, si jamais j'ai rien ou que vraiment je sens que je peux chatter plus ou quelque chose comme ça. Vraiment, on espère avoir des bons joueurs. Aussi des joueurs de première ligue, ce serait pas si mal parce que je fais une deuxième équipe, donc une première ligue. Donc la première équipe n'était pas une première ligue, donc le premier pack n'est pas bon, c'est juste... Oh, Hulk. Ok, bon, comparé à l'année dernière où il a pris un peu cher, enfin, il a pris moins 2 à malus au niveau de la vitesse. Mais bon, ça me va, moi, c'est quand même Hulk, c'est un joueur que j'apprécie quand même. Bon, Mandy plutôt, d'autres joueurs, voilà, là, c'est pas non plus hyper intéressant, mais 1000 crédits, ça, je prends, hein, quand même. Pas que joueur électrum rare, mais si on les garde un peu plus tard, on va donc ouvrir le deuxième pack à 15 000, je considère que c'est l'un des pires packs, entre guillemets. Allez, le deuxième, ça va encore beaucoup trop vite, donc moi, je sais comment ça se passe pour une animation. Et là, évidemment, on va avoir qui? On va avoir un DD anglais. Oh, Tavernier, c'est pas si mal. Dommage que malheureusement, il joue pas en première ligue, justement. Suivant, donc on va voir le petit pack qui est ici. Donc le petit pack Prime joueur. Allez, jusqu'à présent, j'ai pas eu d'animation. Je n'ai jamais eu d'animation. Et là, ça va pas être le cas encore. Et là, on espère quand même avoir un petit joueur sympa. Ouais, Dost. Bon, Dost, juste le général est bon. Le reste, on s'en bat les reins. Hein. C'est seulement 82 et c'est bien. Oh, Van de Beek et Renato Sanchez. Eh ben, c'est pas mal. Donc, vraiment, ça, je prends. On va ouvrir celui-là. Donc, allez. S'il vous plaît, je veux quelque chose. Je veux quelque chose pour. Oh, et ça va pas être quelque chose. Hein. Décidément, on va brasser beaucoup de merde. Et ce sera Gianni. Ok, je ne veux pas de Gianni. Pardon, c'est Giannini, pas Gianni. Oh, Lukaku, ça c'est pas mal. Et Raphaël Léao. Bon, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas non plus du gros dégueulis dégueulasse. Hein. Donc ça c'est l'invendable. Hein. Si je me trompe pas, celui-là c'est l'invendable. S'il vous plaît, donnez-moi de la chance. Oui, c'est lent. Allez, s'il te plaît. Non, ce sera du 83 plus seulement. Ce sera un portugais, ce sera un MD et ce sera Pizzi. Ouais, Pizzi. Donc c'est pas terrible, maintenant Pizzi, j'aurais préféré, bon, Bernardo Silva, lui c'est une animation, donc voilà, donc ça pouvait pas être lui, mais j'aurais préféré un autre MD portugais plutôt que lui. Oh, Gabriel Jesus, en invendable, oh oui, ça c'est génial, et Mkhitaryan, mais bon, il était au TW il y a de ça que pas longtemps, et j'aurais pu très bien l'avoir, mais non. Bon, Gabriel Jesus, ça vaut combien actuellement sur le marché? Oh, ça c'est bien, je m'en fous, c'est pas une animation, mais j'en ai que faire, regardez le prix, regardez ce prix. Et en plus, je l'ai affronté, il est trop chaud, hein. Vraiment, Pizzi, lui, ça vaut rien, bon, voilà, ça, il fallait s'en douter, et les autres aussi, donc, voilà. Mais c'était très bien, et on fait quoi, là, on va ouvrir, donc, celui-là, je vais le garder, le pack Electrum rare, il semble être bon, donc on va ouvrir le pack à 25k, celui-là, je pense qu'on va avoir de la merde, hein. Vraiment, je le dis, ah non, c'est bon, ça va lentement. On n'a pas d'animation encore, ce sera du 83+, et ce sera un français, un AD, Tova. Eh, c'est Tova! C'est Tova, les mecs, et oui! Oh oui, non, mais je suis content, bien évidemment! C'est l'un de mes joueurs favoris de l'OM, mais forcément, je suis obligé de le prendre! Je suis obligé d'être content, mais bien évidemment! Oh là 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 là! Oh, c'est génial! Oui! Gabriel Jesus et Tova dans un pack opening! Oh, je ne pouvais pas rêver mieux! Et Eza... non, pas non. Erarizabal. Bon, je sais pas comment on prononce ça. Allez, on lève la console.
Sainte console, donne-nous du lourd. Allez, je te soulève. Je te soulève. Et non, j'ai rien. Bon, allez, je te repose. On a quoi? Donc, ça va être quoi? Français, Gomis. Ok, bon, toi, ça sert que pour les SBC. Hein. Clairement, tu vas pas servir sur le terrain. Là, vraiment, les packs méga jusqu'à présent, j'ai au moins eu, à chaque fois dans les packs méga que j'ai ouvert, j'ai quasiment toujours eu des plus de 83. Alors, j'espère que là, tu vas me faire honneur d'aller lentement. Il va lentement. C'est toujours pas une animation, mais c'est un... Non, pas un boost. J'ai cru que la couleur était différente. Non, ce sera Tadic. Bon, toujours pas d'animation jusqu'à présent, mais des joueurs plutôt sympathiques. Hein. Tadic, c'est pas mal. Hein. Tadic, c'est pas mal. Et vraiment, ça, je prends. Oh, avec du... Oh, des joueurs de première ligue, il y en a. Et Mandanda. Ah bah tiens, on a packé deux Marseillais dans la même vidéo. Sérieusement. Mandanda qui fait une extraordinaire saison. Au début, là, au niveau de son début de saison, il est impeccable. C'est ainsi que cette vidéo s'achève, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a eu de la chatte, on a chatté comme des pas possibles avec du Marco Verratti, du Tovino, mais bien sûr aussi du Gabriel Jesus qui vaut trop cher, les deux vaut autant, hein, Verratti et Gabriel Jesus, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu packer du très bon joueur comme ça, et en plus Théo Hernandez qui vraiment est très bien, enfin c'est bien pour moi, moi je trouve ce pack opening est réussi, donc voilà ça me fait plaisir, énormément plaisir, nous avons eu de la chatte, pour une fois c'est ma première animation, il fallait que ça soit Verratti, c'est un boost, donc ouais, moi j'aurais voulu que ce soit une icône à ce moment là, mais bon un boost c'est bien. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir et c'est déjà énorme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo bien évidemment pour donner vos impressions et à la partager pour la faire diffuser bien évidemment et diffuser ce Marco Verratti qui est le, avec Immobilier le deuxième plus gros de la plutôt de la Team of the Week. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, donc évidemment pour la suite de PES, donc avec la Ligue des Masters, donc que je continue, hein, j'ai juste fait une pause hein, pendant quelques temps, mais là je vais revenir. Et bien évidemment d'autres vidéos, et sans doute sur FIFA, parce que PES, malheureusement, à cause du problème du gameplay, la fameuse mise à jour gameplay va arriver très tardivement le mois d'octobre. C'est pour ça aussi que je fais très peu de vidéos, que je fais même plus de vidéos d'ailleurs en ligne. Je préfère jouer uniquement en ligne, surtout sur ce qui est tout ce qui est principalement sur le mode Ligue des Masters, et après on verra bien. Enfin bref, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.